craintif. Hein? Peut-être que la mise en échec a un peu joué dans la tête, la mise en échec de Charon en début de rencontre. Da Fonseca au point d'appui, il y a de l'espace pour lui. Il va donner un tir contre Charlie! Da Fonseca qui ouvre la marque, c'est 1-0. La séquence, on a laissé Da Fonseca beaucoup. Et Vaudivin lorsqu'il marque le premier but cette saison. Ouais, ça mène rapidement au point d'appui. Un tir de Ménon fait hâte de peu la cible. Charon retourne contre! Édouard Charon qui double la marque et c'est 2-0. Eh bien, depuis le début du match, je voyais les Vaudivinois et hier, j'ai parlé de cette expression-là en anglais qui était le dump and la rampe, Côté passe au point d'appui vers Dion. Renvoie pour Côté. Côté là, qui cherche de l'espace. Va remettre vers Dion. Dion vers Woodward. Woodward qui va d'un tir bloqué par Poirier. Rondelle libre devant. Tire contre Justin Côté qui a inscrit son 16e du calendrier et ça se poursuit. Des fois, par instinct, on va le revoir à la reprise. La pointe aurait pu toucher à la rondelle. Mais... La remise de Charon, territoire central, là, qui aboutit dans les mains de Luneau. Frappé encore une fois par Charon. Deuxième fois là, que Charon vise le recul. Attention, Landry dans l'angle avec Comte. Isaac Béliveau qui est venu appuyer l'attaque. Quelle remise lumineuse du capitaine des Olympiques. Excellente passe. On peut... C'est une équipe bourrée de talent, les Olympiques. On ne peut pas leur laisser. Olympique. Dans l'enclave, remise vers côté, n'a pas été en mesure de saisir. Woodward reprend. Passe au point d'appui vers Menolfi. On fait confiance à Morin en compagnie de Côté Woodward. On avait vu Charon en première période également. Da Fonseca, un tir contre! Et Justin Côté, encore! Le 17e de la recrue de 16 ans. Justin Côté, on se souvient, là, était dans les 5 premiers répertorié au repêchage. Pour les Voltigeurs, un tir qui rate la cible, celui d'Avelena. On revient de l'autre côté. Tir de Prokopenko qui marque. Il fallait que j'en parle. C'est 4-2. Les Olympiques qui rétrécissent l'écart à 2 buts. Sur la séquence, Lapena doute qu'elle puisse avoir. C'est Charon qui va intervenir. Il va compléter le dégagement qui va être toléré puisque la rondelle va s'arrêter là, en territoire des Olympiques. Luneau doit se méfier là, Dumont là, qui s'amène en échec avant. Contre Charles-Antoine Dumont qui marque le 5e filet des Voltigeurs sur cette chute de Tristan Luneau. Et on ferme les livres chez les Voltigeurs.